On va donc travailler la main droite du pharaon. On va voir, j'ai mis tempo 56. On le joue et après on parle d'un petit truc. 3. Quoi neuf dans ce morceau? Bon, vous avez vu que le rythme noir, croche, croche, noir, 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 croche, croche, noir, noir. Quand on a la mélodie du pharaon, on l'entend bien. Là, il faut y faire attention. La difficulté un petit peu, c'est que j'ai tendance, moi vraiment, depuis toujours, à jouer. Et à vous dire de jouer les trois cordes du haut au pouce, les trois du bas au doigt. Ici, c'est pas ce qui est noté dans la partition. Si on fait comme moi, je fais. Je vais donc mes trois premières notes, ré, mi, ré, au pouce, et ensuite, je déplace ma main pour jouer mes deux sols avec les doigts. C'est ce que je fais. On pourrait aussi imaginer tout faire au pouce. Au moins pour la première partie. La première moitié du morceau. La difficulté, si vous faites à ma manière, c'est-à-dire les sols au doigt, c'est qu'on a tendance, du coup, puisqu'on joue un ré, juste avant de jouer les sols, à venir reposer le doigt, le pouce, sur la corde de mi. Mais vous avez vu, le mi doit durer 3 temps. Donc si je viens reposer mon pouce sur la corde de mi, je coupe le mi. Donc soit je m'embête pas, je joue tout au pouce, mais ce sera plus facile. Et là, il n'y a pas de risque. Soit quand je viens jouer mes deux sols, il ne faut pas que je repose mon pouce. Je peux pas le laisser sur la corde de ré parce que je ne vais pas réussir à jouer mes sols. Donc, en fait, pour une fois, exceptionnellement, je ne pose pas le pouce. J'aime pas faire ça. Mais là, c'est un peu particulier. Donc, je vous autorise, si vous voulez, à jouer toute la première moitié du morceau tout au pouce. Ça fonctionne. Au moins, on est sûr qu'on ne viendra pas arrêter le mi. Ça nous ferait. Vérifiez que vous êtes bien en face de la rosace. Ici, ça alterne. Il n'y a pas de nuance. Que du bonheur.